Je sais. Non, tu sais pas. Tu sais ce que ça fait de chier devant quelqu'un? Mais je vais te sortir de là. Ça fait 3 semaines que tu me dis ça. Alors reviens quand t'as des infos, sinon ça sert à rien. Max, attends. Ça va pas le faire. Qu'est-ce qui se passe? Bah, si t'as envie de te taper plein de filles avant le bac, vas-y fais-le, y'a pas de soucis. Par contre, si tu crois que je vais t'attendre bien tranquillement, là tu fais un gros film. D'où tu sors ça? Mais je sais que tu vas pas pouvoir t'en empêcher. T'as l'air de connaître des trucs sur moi que je sais pas moi-même. Alors, je sais aussi que les histoires avec ton frère, la dépression, tout ça, sa copine, c'était des conneries. C'était des conneries. Donc, t'as menti. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Tu crois vraiment que je me serais acharné à sortir avec toi pour me taper plein d'autres meufs derrière? C'est complètement débile. Alors qu'est-ce que t'as? T'avais une voix bizarre au téléphone. Je suis malade. J'ai un truc au cœur. J'en ai plus pour très longtemps. En tout cas, ils sont pas très optimistes. Il y a de fortes chances que j'ai besoin d'une transplantation cardiaque. Et ils savent même pas si je vais m'en sortir, si je fais l'opération. Il dit 50%, mais bon, j'imagine que ça veut dire 40% de chances que ça réussisse. 40%, ça veut dire quoi, 40% de chances que ça réussisse? Bah, 40%, ça veut dire 60% de chances que ça marche pas, que ça serve à rien. Ça en est où? T'as des nouvelles de la juge? C'est fini son congé maladie? Non, mais cette fois, elle est partie pour de bon. Congé maternité. Bon, alors, bonne nouvelle, c'est que le dossier a été transmis au juge et on va pouvoir avancer. C'est qui? Wagner. Ah putain, il me déteste. C'est le type le plus méticuleux que je connaisse. Il va me mettre en temps fou et éplucher mon dossier, je suis pas prêt d'être convoqué. Mais pourquoi tu m'en as pas parlé avant? Pourquoi? Parce que ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu, puis... C'est pas un truc qu'on en dira à tout le monde. Non mais justement, je suis pas tout le monde. Toi, ta sœur, tu t'en fous, la famille ça te fait chier, t'en as jamais rien à foutre. Ah là, ça y est. Mais quoi, ça y est quoi? Je vais peut-être crever. Je te le dis. Et toi, tu m'engueules, putain. Pardon, excuse-moi. Tu dis que tes parents ne t'aiment pas, j'y crois pas. C'est impossible de pas t'aimer maintenant. À toi. Regarde-moi. Je comprends pourquoi tu me fais pas confiance. Il y a des trucs que je peux pas te dire. Mais je te promets que je te ferai plus jamais de mal. Et si ça compte vraiment pour toi? Alors ok, je te présenterai à mon frère. D'accord ?